Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Donc si je me souviens bien, la dernière fois on sortait de cette grotte. Ah oui, on venait d'avoir le costume là. Et on va pouvoir du coup aller à l'endroit qui était verrouillé. Enfin, où on pouvait pas aller parce qu'on n'avait pas le costume. Ici, voilà, là on pouvait pas traverser parce qu'on n'avait pas ce fameux costume. C'est quoi ça? Grotte du crâne, c'est ça. On pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas ce costume. Ok, alors là, du coup, c'est par où? C'est par là. On va se dépêcher. Ah, on voit le pont là-bas. Allez. Évidemment, c'était de l'autre côté. On peut traverser là. Hop. Plouf. Qu'ils soient tous maudits. Ah bon? Ah, sympa. Au pilori. Ok, eh bien allons-y. Maintenant qu'on peut passer. Ah! Génial! Ah ouais, ils ont l'air sympas eux. Je vous invite à la prudence, prêtresse. La révolte est étouffée, mais elle gronde toujours. Seul, vous faites une cible de choix. Je devrais pouvoir me débrouiller si je croise un rebelle. Bien dit. Ils peuvent rien contre nous. Même s'ils se battent comme des démons. Ils se battent pour survivre. Ok, tout va bien, on lui parle. Pourquoi il ne nous parle pas dans sa langue? Ok. Bon, bah les rebelles, ils se sont fait défoncer. Il y a plus de rebelles que de fanatiques. Ouais, ils sont costauds, eux. Hachéban uchik in topikonop. Chen humpel batelil uchhel bishunahe. Beishan in tukul. Minano nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobby. Tokili uchet, tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel umbinton uchil waminan kukulkantik minanone. Tout va bien, on ouvre une porte devant eux. Enfin, on casse un truc devant eux. Ça ne les dérange pas. Oh! Des sous! Et là, un truc caché. Un faisant office de calendrier, ces roseaux attachés avec de la corde et de la pierre représentaient un cycle de 52 ans. 52 ans? Mais non. Fantastique. Ok, donc du coup on va par là. Ah, il y en a qui sont pas morts là. Oh ouais, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils vont les abattre. Il y a des mecs de partout. C'est quoi ça? C'est un totem? C'est un machin? Oh, de l'or. Non, c'est pas un truc qu'on peut... On peut lire, là. Bon. On continue, il y a des cadavres de partout, ils en ont arrêté un paquet. Bon, en tout cas, ces rebelles, ils étaient pas costauds, hein, parce que les autres... Ils les ont défoncés. Ouais, rien de moins. Kukulkanuk at ukantoon tulakaon. Yanulak mashma letin tukla. Un monolithe. Je peux le lire ou pas? Ouais. Ça décrit quelque chose de proche. Non. Deux frères d'armes qui se tiennent dos à dos. Si. Je suis au pied de celui qui surveille le serpent ombragé. Le serpent ombragé. Ok. La carte monolithe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que c'était par là-bas. À ma droite, là. Donc c'est par là-bas, quand même.
un truc sous le serpent ombragé. Et donc il y a beaucoup de gens là. C'est tous les fanatiques, ça? Un feu de camp. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Unuratu. Compétence. Les autres rebelles, ils vont les tuer pour l'exemple. J'ai 5 points de compétence, pas mal. Mon dieu, quel cauchemar. Oh, ça c'est trop chiant. Je n'arriverai jamais à les faire, les contre-attaques. Les tenues ancestrales, blablabla. Ça c'est des balles, on s'en fiche. C'est pas ouf les trucs hein. Sur une branche, utilisez flèche grappin pour tuer et cacher les cordes et canopées. Ça c'est pas mal. Ça on s'en fout. Ça on s'en fiche. On s'en fout un peu de tout ça en fait. Hein. L'instinct de survie dure plus longtemps après. Ok. Augmente la qualité des ressources fabriquées. Ouais, bah allez, vas-y. On va faire ça. Ah, il y a une capacité que des sécrétions. Ouais, allez, on va prendre ça aussi. Augmente la chance de récupérer une flèche, enfouir les ennemis et les animaux, non. Permet de charger l'arc plus rapidement, réduit le temps entre les tirs chargés. Ouais, allez, on va faire ça aussi. Même si. C'est quoi ça, compétence de la voix? Vous pouvez débloquer ceci en complétant le tombeau Forge Destin pendant la quête Écho du passé. Ah d'accord, c'est des trucs particuliers. Ah, c'est les trucs des DLC là. Ok. Alors, inventaire, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Couteau. Je peux pas l'améliorer mon couteau, non. Je peux pas l'améliorer non plus. Ça c'est nouveau. Morsure de serpent. Moi j'ai lequel? Moi j'ai celui-là. Celui-là de base il était où? Je sais plus. Ça c'est un nouveau aussi. Arc du serpent. 4 améliorations. Ouais. J'ai des nouvelles armes de poing aussi. Non. Non. Si, ça c'est nouveau. Celui-là est nouveau je crois. Ça, non, je les avais déjà. Et les pompes, moi j'ai pris celui-là. J'en avais amélioré un des deux, je sais plus lequel. Celui-là, je pense. Ouais, j'avais commencé à améliorer celui-là. Une espèce de double canon, là. Hop. Ouais, lui il est mieux quand même. Hein. Lui il est clairement mieux. Hein. On va le garder. Ça on s'en fout du coup. Hop, 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 on continue. Donc il y a deux piliers, je sais pas quoi. C'est pas ces trucs là. Non. Là il y a une statue. Il n'y en a pas une en face là. Si, voilà. C'était quoi le texte? Je me souviens pas. Parce que c'est clairement ça, hein, non? Ce truc là. Là on a les deux statues. Ah, c'est pas marqué là d'ailleurs. Ils se tiennent dos contre dos, deux frères d'armes. Je suis au pied de celui qui surveille le serpent dans l'ombre. Dos contre dos? Voilà, ils sont pas dos contre dos ces deux-là. Alors là, il y en a un ici, il y en a un là. Donc celui qui surveille le serpent, donc c'est lui. Donc là, il y a un truc caché par là. Sûrement. Voilà. Et voilà, trouvé.
quoi ça? Secret du manuel trouvé. Explorer le monde. Ok, c'est juste, ça me donne juste des ressources quoi. Fantastique. Bon, du coup on continue. Tac, il n'y a pas un truc là. Des ressources. Ok, qu'est-ce qu'il fait là lui? Lara, ton déguisement de la garde serpent est très réussi. Mmh. J'ai trouvé le mot de passe pour la prison de ma mère. Les yeux innocents clignent à l'aube, quand la faiblesse disparaît. C'est noté. Mmh. On va la faire sortir, Etsli. Encore une chose. Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'il devait le sacrifier, je... J'ai compris. Le sacrifier. Sympathique tout ça. Ah oui, je peux récupérer maintenant du venin. Ils sont sympas ici quand même, hein. Sacrifier des gens. C'est cool. Hein. Bon, je sais que ça se faisait dans certaines cultures, hein, mais c'est un peu. Voilà. Voilà. Hein. Sympatoche. Bonjour. Ne me laisse pas. Pitié. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Éloigne-toi de cette porte. Ton père est un rebelle qui va mourir pour ses crimes. Papa, je t'aime. C'est sûrement Kayara. La fille dont parlait Etsli, ce qui veut dire que Akan est dans cette cellule. Mmh. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. Qu'est-ce que je peux faire avec cet oiseau? C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. Ouais, enfin, pour trouver de l'aide, il faudrait déjà... Oui, non, mais j'ai compris. C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. Il faudrait déjà que les deux là ils se barrent. Ce serait pas mal. Pardon, prêtresse, ne me faites pas de mal. Je voulais juste te dire au revoir à mon papa. Tu n'as rien à craindre, Kayara. Je suis avec les rebelles. Comment vous connaissez mon nom? C'est ton ami Etsli qui m'a demandé de t'aider. C'est vrai? Oui. Et sais-tu me raconter ce qui s'est passé? Mon père dit que Kukulkan a tué ma mère. Je lui ai dit que ça ne la ramènerait pas, mais il est têtu. Il a voulu tuer Kukulkan et maintenant il va mourir et je vais me retrouver toute seule au monde. Allons, tout va bien se passer. Écoute-moi, je devrais pouvoir t'aider. C'est vrai, il y a d'autres rebelles sur la place. Ils veulent aider eux aussi, mais ils ont trop peur. Vous pourriez peut-être les convaincre. Je vais faire tout mon possible, Kayara. Je te le promets, je ne vais pas les laisser te prendre ton père. Merci, prêtresse. Je m'appelle Lara. Alors lui, on peut lui parler. Je veux libérer le prisonnier, mais j'ai besoin d'aide. Vous êtes la jeune fille dont parlait Onuratu. On peut parler aux gardes aussi. Si vous éloignez les gardes, je vous aiderai pour la porte. Ok, très bien. Bonjour, prêtresse. Ça vous plaît, les exécutions? Les exécutions? Bien sûr. Mais j'ai besoin que vous arrêtiez les prières. J'adore ça. Pourquoi est-ce que l'assistant a sonné la corde? Pardonnez-moi, prêtresse, mais reste quand même sur vous n'êtes pas inquiète. Inquiète? Mais pourquoi? Kukulkan a sacrifié tellement de gens ces temps-ci. Et pas seulement des rebelles. Enfin... Vous trouvez qu'il y a trop de morts? Je sais quelle tribu réclame les dieux pour que le soleil survive, mais... Ne vous en faites pas. Cette vague de morts va s'arrêter. Croyez-moi. Mm-hmm. Donc l'autre, il va m'aider là-bas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Joueriez-vous de vos instruments pour en envoyer des dieux? Ce serait un honneur, prêtresse. Ok. Donc lui, il va jouer les instruments. Ça va faire du bruit, N'ayez du coup. N'ayez pas peur. Je suis une amie d'Onuratu. J'essaie de libérer le prisonnier. J'ai besoin d'aide. Bien sûr. Allez, mais ces gardes, allez vérifier que tout le monde reste dans le rang. Je vous attendrai ici. Allez, donc là, ils peuvent m'aider, peut-être, non? C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. Ah, vas-y, viens m'aider. C'est bon, ils sont partis. Alors allons-y. Ouais. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ok, t'ouvres là, toi. Moi, j'ouvre là. Allez. Bah, allez.
Allô? Il y a l'espèce d'oiseau là, ça me rassure pas trop, mais... Ça marchera pas. Il faut maintenir les deux leviers en même temps pour pouvoir entrer. J'ai besoin d'un coup de main. Ok. Alors on va recommencer. Alors lui, il faut qu'il tape sa musique là. Musicien, honorez-nous du son de vos instruments. Mais prêtresse, assez de prières pour l'instant. Lui, il veuillez fait son sonner truc, la corne. Voilà. Bien sûr, à bientôt. Ok, lui il va venir avec moi. Vous êtes là? Faites bouger ses gardes et je passerai à l'action. Pourquoi est-ce que l'assistant a sonné la corne? Ça va être bon. Je suis sûr qu'il y a une raison. Mais reste quand même sur tes gardes. Je comprends. Prudence. Ok, le garde, qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'aimerais parler au prisonnier. Pardon, prêtresse, mais il doit être exécuté, sur ordre de Kukulkan en personne. Et je vous suggère d'ailleurs de quitter la place, pour votre propre sécurité. Mmh. Eh, vas-y, joue ta musique, toi. Bien. Vous acceptez donc de jouer? Bien sûr. Allez, voilà, il joue. Ok. Allez. Ça va être bon. La musique maintenant, ce sera le moment. Quand est-ce qu'on passe à l'exécution? Allez. Ça va être bon. Allez. On devrait aller vérifier que tout le monde reste dans le rang. Allez. La voie est libre. Il faut qu'on aille plus vite cette fois. Oui. Reviens toi. C'est bon. Aidez-moi à ouvrir la porte. Ok. Ouais. Les deux, ils ouvrent la porte là. Ça devrait marcher. Allez. Allez, ensemble. Bougez-vous les fesses. La voie est libre. Très bien. Ok. Ouh. Que voulez-vous, prêtresse? Du calme. Je suis une amie. Si j'avais des amis dans votre genre, ça se saurait. Croyez-moi, la vie ne fait pas le moine. Votre fille vous attend. Vous pouvez marcher? Et les gardes? Oh, oh, super, on est fermé dedans. Kaira, va-t'en. Mets-toi à l'abri et je te rejoindrai. Je vais nous faire sortir d'ici. Je me souviens de vous. Vous êtes l'étrangère que j'ai vue avec Onoratu dans le village inférieur. Et si... Allez, on casse le mur. Facile. Allez, on se casse par là. Ça fait pas de bruit, c'est bien. Allez, on y va. Suis-moi. Suivez-moi. C'est la vieille caserne. Par ici. Kaira, j'arrive. On va pas trop vite, toi. C'est une caserne. Je ne perdrai pas espoir. Sûrement. Si on s'y met ensemble, on peut pousser cette pierre. Ok. Voilà. Merci de m'avoir montré comment faire. Vous m'avez aidé. Non, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Ma fille. Tenez, prenez ce couteau. Il appartenait à ma femme. Ah. Je comptais m'en servir pour tuer Kukulkan, mais je n'en ferai plus rien. Couteau exceptionnel, nouveau équipement acquis. Pour équiper des ressources sur les animaux. T'as intérêt à te barrer de là, toi, non? Papa! Oh, Kaira! Je croyais que je ne te reverrais jamais, papa. Je suis désolé, ma chérie. Ah, laisse-moi te regarder. Je te promets que je ne te laisserai plus. Allez, viens, on rentre à la maison, ma chérie. Et les gardes, ils disent rien. Tranquille. Mission terminée. Nouvelle aventure de tombe. Après avoir acheté le cœur du serpent, une nouvelle mission vous attend à Paititi. Frappez un coup droit dans le cœur du serpent. Cette mission est accessible dans une mission secondaire. Ok. Très bien. Pourquoi tous les oiseaux, je les vois en surveillance? Je ne sais pas. Très bien, tant pis. Hop, on continue. C'est quoi ça? Cœur du serpent. Cette fameuse mission là, que je vois affichée là.
Le cœur du serpent. Je ne sais pas. Paititi, c'est où? C'est là-bas, Paititi, je crois. Teneur de quête. Je ne sais plus. Je ne me souviens pas. C'est pas grave. Objectif actuel. Ok, c'est derrière moi, donc. C'est là. Tout, tout, tout. Hop, les plumes d'oiseau. C'est par là qu'il faut que j'aille. Seuls l'exalté et le sage peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Yes. Allez, on y va. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wow. Combien de temps vas-tu poursuivre cette mascarade de rébellion? Aussi longtemps qu'il le faudra pour te neutraliser. Et tu oses me dire ça en face? Tu sais que je suis honnête. Et il fut un temps, nous étions dans le même camp, toi et moi. Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait arrêter. Si mon frère était en vie, paix à son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Paititi quand l'aube se lèvera sur un monde sans menace extérieure. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Paititi. Tout. Malgré les divisions, je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur, et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Paititi ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. En restaurant le soleil, hein? Ça ne mettrait Paititi à l'abri que quelque temps seulement. Mais ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non! Non! Nous devons être forts. Décisifs. Et pour moi, j'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan. Ou devrais-je dire les Trinitaires? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Paititi et puis... Je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux. Je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer. Mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volée. Il y a 4 siècles. Tu as gâché ta vie en cherchant au mauvais endroit. Laisse-moi. Donc on a fait tout ça pour rien. Ça veut dire qu'il savait déjà où était la boîte, lui.
Mais pourquoi il est revenu là alors? C'est étonnant. Elle est stylée cette tenue quand même. Il y a plein de trucs qui traînent là. Bon, j'ai pas envie de tout lire, je vais juste ramasser les ressources. Et les trucs qui traînent. Voilà. Il s'agit de Tonatiuh, le dieu soleil, grand maître du panthéon aztèque et de Tolan, la capitale. Ouais, des... vous lirez si vous avez envie. J'ai pas envie de tout lire, j'ai passé assez de temps à lire des trucs. Ah, j'ai passé un nouveau niveau de Quechua. Voilà, faut que j'aille là-dedans. Monolithe débloqué. Ah, moi, qu'est-ce que je fais avancer? Jonah, je sais où elle est. Je vais la chercher. Ok, on est en chemin. T'as senti la secousse tout à l'heure? Oui, quand j'étais dans le cénote. C'était un signe avant-coureur. La terre va bientôt trembler. Il faut qu'on se dépêche. Ouais, on va libérer Unuratu, et puis on ira chercher la boîte ensemble. Mais elle est où du coup? On sait pas où elle est? Wow. Là, ils vont pas me laisser passer à tous les coups. C'est ça. Je suis pari. Désolé, personne n'a le droit d'entrer. En même temps, vu le pont comme il se balade là, j'aimerais pas monter dessus. Hein. Je sais pas si c'est un bug de physique ou quoi, mais. Allez, hop là. On fait ce qu'on sait faire. Et eux ils s'inquiètent pas, hein. Tranquille. Wow, 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 wow. Ok, là il y a des squelettes qui traînent. Et puis. Bon, les mecs ils s'inquiètent pas quoi, il y a une prêtresse qui peut pas passer alors elle passe par un chemin à côté, tout va bien. C'est normal. Allez, on court. On saute. Hop, on saute. Quoi? Comment ça? Comment ça? Ah ouais, je crois que j'ai. Si vous avez vu, il y avait un petit bug. Je crois que le sang était déjà là avant que je tape le rocher. Bon. Mais voilà, encore une fois, le sang était déjà là. C'est moche. Ouais, bon. Du coup, que je fasse, est-ce qu'il faut que je me mette plus bas là pour être... Non. Là je suis au bon endroit je pense. Mais ça m'énerve ce genre de truc. Ce genre de passage où enfin, j'ai l'impression d'y arriver et en fait non. Enfin, c'est quand même pas compliqué comme... Comme truc à faire, est-ce qu'il faut que je prenne plus d'élan? Faites tomber trois squelettes de leur pieux dans la rivière. Ok, ouais, là je suis pas au bon endroit. Ok. Est-ce que je peux me balancer plus? Ou descendre un peu plus peut-être? Ok, il fallait se balancer un tout petit peu. Oula. Oula, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Wow, wow, wow. Ah non. C'était chaud. Ouais, c'était chaud, là on n'y repassera pas. Je pense. Hop là. Là il faut aller où? En haut? Non, c'est où qu'il faut aller? Non, en dessous sûrement là. Ah oui, en dessous, ouais. Punaise. Ah tiens, là il y a un squelette qu'on peut faire tomber là, c'est ça? Je vais aller là.
Ok, maintenant on va ici. On se balance. Allez, hop là. Oui. Ah, fallait re-sauter une deuxième fois. Boum. Ok, bah vous savez quoi, ça fait 30 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là et on verra la suite la prochaine fois. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao.